Il est temps d'aller revoir mon oncle. Il est temps. Il est temps de l'appeler de la terre des Flash. Ça fait extrêmement longtemps que je ne lui ai pas parlé. Mais mon père, pourquoi? Pourquoi je ne ressens pas son énergie? Je vais le savoir avec lui. Concentration. Kaiser Flash, viens donc à moi, mon oncle. Davis, comment vas-tu, mon neveu? Ça va. Après ce long voyage que j'ai fait pour avoir ce mental, ça va, je me sens tellement bien, mon oncle. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Mais d'abord, tes ancêtres, deux de tes ancêtres doivent être là. David Flash et John Flash. Oh, non. Mes respects, mes ancêtres. Mes respects. Voyons, Davis. Comment vas-tu, mon petit-fils? Depuis la dernière fois sur la terre des Flash, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Ça va, John. David Flash, pardon, excusez-moi. Ça va. C'est quoi cette mauvaise nouvelle? À vrai dire, c'est moi qui va te l'annoncer, David Flash, le tigre. Ton père, malheureusement, est décédé, Davis. Il est mort. Sur la terre des Flash, on l'a invité à méditer avec nous. Mais Hadès, il lui a fait sortir des veines bleues, ce qui a fait qu'il est devenu tout blanc. Et il est frigorifié, il ne bouge plus depuis maintenant un bon moment. C'est pour ça que tu ne ressens plus l'énergie de ton père, Davis. Quoi? Non, un mental. Il faut pas que je m'énerve. Quoi? Ah, mental, il faut pas que je m'énerve. Il faut pas que je m'énerve. Non, pas mon père. Non, moi qui venais juste de le retrouver. Non, pas lui. Non, pas mon père. Comment est-ce possible? Certes, il m'a tué, enfant. Mais c'était pas lui. C'était ce foutu démon qu'il avait en lui. Et maintenant, Hadès, il me retire mon père. Mais il faut pas que je m'énerve. Maintenant, il va falloir que je me calme. Il faut que je prouve que j'ai le mental. Je vais d'abord aller sur le rocher, comme d'habitude, aller méditer. Il faut pas que je m'énerve. Calme-toi, Dave. C'est pas le dragon d'or qui va prendre contrôle sur toi. Non. Ken Flash a bien réussi à contrôler son dragon. Aaron a bien réussi à contrôler son phénix. Et moi, il faut que je me calme. À chaque fois que je médite, je pense à leur parcours. Et c'est ça qui me rend fort. Il ne faut pas que je craque sous cet énervement. Mon père est certes mort, mais il ne faut pas que j'y pense. Calme-toi, Davis. Pense à ce que tes ancêtres ont parcouru. Pense à ça. Pense à tout le mal qu'ils ont eu. Tu vas aller réfléchir.